événement, on dira un homme complet qui a accompli énormément de choses. Au niveau de la voix de l'Église, c'est un monsieur qui est unique, un monsieur authentique, un monsieur complètement avec une carrière atypique, qui est connu, on dira même dans le monde entier, à énormément donné. Il n'y a personne égal à monsieur Ivo Simon. Et je vous demande, s'il vous plaît, de lui faire une ovation. Il y a plusieurs casquettes, puisque ce monsieur a été premièrement auteur, compositeur, interprète. Il a fait aussi, il est acteur puisqu'il a participé aussi à plusieurs films. Nous allons voir ça tout au long de la journée. Il a également, donc, il est styliste puisque vous avez toute la collection confectionnée par lui-même que vous avez donc exposée au niveau du Prince-Land que vous allez pouvoir admirer. C'est un homme, franchement, c'est un artiste. Qu'est-ce qu'il a fait d'autre en plus? Il a fait énormément de choses en fait. Et c'est un homme politicien également. Donc, vous voyez, il a tout accompli. On va dire dans un cours de vie, il a énormément fait. Alors bien sûr qu'en son temps, c'est un personnage controversé, mais je pense qu'on n'a peut-être pas compris que c'était un homme qui aimait son pays et qui voulait tout simplement une Guadeloupe responsable. Alors pour simplement cela, je vous demande de faire une ovation à monsieur Ivo Simon. Faire un hommage à ce monsieur qui est vraiment unique en Guadeloupe, unique dans le monde. On n'a jamais eu un personnage comme ceci autrement en Guadeloupe et il mérite vraiment. En général, on fait les hommages toujours après le décès des personnes. Et bon, on a la chance qu'Ivo Simon soit encore vivant et on souhaitait justement lui faire ce cadeau. C'est monsieur Romy, c'est à l'initiative de monsieur Romy que cet hommage est fait. Et franchement, ça me donne la chair de poule et j'espère que vous aussi. Alors donc tout au long de la journée, nous aurons des programmes qui vous sera bien évidemment présentés tout au long de la journée. Alors pour ceux qui ont des témoignages à faire, préparez vos petits témoignages. Essayez juste de ne pas être trop long parce qu'on a une journée très longue qui s'annonce avec énormément de témoignages. Et encore une fois, applaudissez-vous pour être venu. Nous l'avons venu aujourd'hui, mais nous allons répondre. C'est faux, nous allons porter manœuvre pour ce jour-là, parce que c'est bon combattant, c'est toujours bon combattant, jusqu'à la fin des jours. Un, deux. Talawai, Talawai, Ivo malade. Talawai, Talawai. Nemsou malade. Talawai, Talawai. Ivo malade. Talawai, Talawai. Nemsou malade. Talawai, Talawai. Ivo levé. Thank you.
Ce sont les sœurs. C'est les sœurs et vous. Ce sont les sœurs et vous. Voilà, pas de problème. Et là, c'est la madame. Bonjour et bien bienvenue. Je suis votre animatrice pour cette journée. Une journée pour honorer Monsieur Thibaut Simon. Alors je vais juste vous demander pour. Excusez-moi, il ne faut pas être trop nombreux autour de lui. Voilà, il faut essayer de garder des distances, s'il vous plaît. S'il vous plaît, on va vous demander d'y aller un par un. Essayez, on va essayer de respecter les conditions sanitaires aujourd'hui. Donc, beaucoup de distance, gardez vos masques tout au long de la journée. Merci. Je suis plus belle que le blanc. Dans cette phrase, il y a beaucoup d'amour pour notre peuple. Le plus longtemps possible. Merci beaucoup. On peut la très fort. Il sera plus belle que le et puis vive la plus haute opposition. Et il est plus beau. Citation, merci. Merci, thank you.
Nous allons remercier en l'eau, le groupe c'est nous-mêmes. Pour ça, ça fait Baïbo, tout fait, tout ce qu'il a, encore le merci. Donc, la manifestation nous sera passée vraiment très, très, très bien. Tout temps, ça prend encore, d'accord? Et sans plus tarder, on fait passer le micro à deux charmantes animatrices que nous pouvons présenter. Donc, Lydie, que vous connaissez déjà, et Gladys, que vous connaissez déjà. Donc c'est avec elle qu'on va passer un très très bon moment pour la journée. Faites parler aux connaissances, c'est Yvon Simon. Donc Yvon Simon, comme je l'avais dit, depuis quand nous sommes avec toi. Lydie, Gladys, merci de nous faire rêver aujourd'hui. Et sans tarder, je reste avec vous. Alors donc avec Gladys, hein, ma co-animatrice, n'est-ce pas? Ça va Gladys? Ça va très bien. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très honorée de participer et d'avoir participé à l'organisation et à l'animation de cette journée pour honorer monsieur Yvon Simon. Merci à toi Yvon Simon pour toute ta carrière et on est là pour te dire merci beaucoup et on est en reconnaissance de tout l'amour que tu as pour nous et pour l'humanité. J'aimerais vous dire également à toutes les personnes qui sont présentes que nous avons également un bar à votre disposition ainsi que des plats à disposition avec plusieurs formules. Donc je vous invite tout simplement à faire un petit détour au niveau du bar pour avoir justement que vous puissiez tout simplement faire votre choix. Voilà, puisqu'on passe une journée en compagnie de Yvon. Et pour l'heure, Gladys, tu vas présenter le prochain invité. Oui, alors le prochain invité est un grand chanteur qui a tenu à venir offrir un cadeau à Yvon Simon, puisque c'est son meilleur ami. Donc il va nous chanter en a cappella. C'est monsieur Roro, on peut l'applaudir très très fort. Et il vient du Moule. Merci, merci, merci. Bon. Si tu es un bon jeu. Antez-la pour 30 ans, musique taille, aux élites. En tant qu'invité d'honneur, il t'a pas moins invitation au moins, personnellement, comme moi. Il dit si vous avez pas de tirs, qui ne fait pas. C'est la vérité qu'il a chanté. Leur voix qui est là encore, il peut remplacer moi. Mais pour l'instant, là, il est beau. Voilà. Et ou, après, j'en peux remplacer parce que ça, il est illégal. Bravo, Yvon Simon. À des mecs qui périvaient, les hommes ont à jouer. Le monde est en laissé aller, pourtant toujours peuple n'a pas qu'à bouger. Quand il est ouvert, l'assistant n'a pas en bonne direction, en cas trouvé. Gardez tous les joies à la télé, Jean Yvon aussi, mon gars défoncé. Mais en sept temps, l'auto-inverse, les vieux esprits à tout royaume et tuer maman. Les hommes ont à jouer, ont à détruire, sa bonté créée, non. Est-ce qu'on y a pensé à des mecs qui périvaient? Les hommes. Après la pluie, c'est le beau temps, mais après le beau temps, puis la pluie aussi. Même si tu ni soleil, et d'aucun qui a bloqué la Guadeloupe, c'est pour démontrer que moi qui prie, à nos attrapes, nos prix, qui est pour nous sortir, pour la pure et la sainte raison, pour commune Guadeloupe, pas qu'à produire. Les hommes ont à jouer, ont à détruire, sa bonté créée. À des mecs qui périvaient. Les hommes ont à jouer, ont à détruire, sa bonté créée, non. Et on y a pensé, à des messages périvés, sont les hommes. Yo gaga, on y la tête qui était au bout d'un sans répit. Pour lutter la délinquance, face en tel développement, toujours c'est la jeunesse qui en souffrance. Car là, tu sais, pour désombrer la terre. Pour faire place par la lumière, les hommes qui comprennent, les hommes qui comprennent, ceux qui comprennent la lumière, c'est différent que quand une poupée brûle. Les hommes ont à jouer, ont à détruire, ça va être créé.
privé. Le monde m'y a encore laissé aller, pourtant toujours peuple n'a pas bougé. Quand il y a des nouvelles assistants, n'a pas en bonne direction encore trouvé. Gardez tous les jours à la télé, Jean-Yves Simon, on t'a qu'à défoncer pour nous. Mais en sept temps d'auto-reverse, les vieux esprits à tout royaume et tuer maman. Merci beaucoup. En papatier, et peut-être Africa. Merci d'entendre. Allez, on vous souhaite et j'en ai eu. Quel que soit notre heure de loin. Merci. Merci beaucoup. Allez, vous. Et nous pouvons t'envoyer après. Merci encore. Thank you.
On a qu'à vous faire. Quand on vient faire jouer là, côté c'est. Ma vie, parce qu'il n'y a pas de moyen. Ma vie, c'est une obligation. C'était une espèce de mission de Tévin pour dire que peu importe ce que nous ne pas venir encore à côté de Santé Aïe, eh bien, il a encore un moins. Et puis, pour peut-être Guadeloupéen peut comprendre qu'en tout pays du monde, c'est un monde qui a marqué l'histoire à pays. Ce monde-là, ça, tantôt, et en période, nous avons été méprisé, surtout quand un grand philosophe qui a marché tout pieds nus, nous avons traité de tout qualité chien. Pourtant, il y aurait été des plus grands philosophes, effectivement, de la Terre, comme c'est Aristote, par exemple, qui n'a jamais écrit bon mot, parce qu'en passant, c'était ça écrit, pas écrit, mais en attendant, il y a vivant la vie là. Et ne pas considérer comme le père de la philosophie, je ne pas se en dans tout pays du monde, nous avons des mondes qui ont marqué l'histoire du pays. Et c'est mon assemblée que je n'ai pas pendant toute vivant à yo, t'as méprisé yo. On n'est jamais dit roi ni reine dans son pays. Eh bien, Ibo, il est peut-être temps que, avant Ibo, que hommage là, ça permette aux Guadeloupéens de comprendre ça, Ibo Simon laissé comme patrimoine à la Guadeloupe, que nous ne pouvons pas permettre de jeter. Ibo, bien entendu, c'est un personnage qui est controversé, comme tous les personnages controversés. Mais en dehors de la controverse, tu ne peux pas jeter le bébé, l'eau du bébé. Il faut regarder effectivement ce qu'il a laissé à la Guadeloupe, et ce qu'il a laissé à la Guadeloupe, c'est quelque chose d'absolument énorme. Ne serait-ce que l'effet qu'il y a beaucoup de moyens qu'il y a à présent, bien, c'est Ibo qui ouvrait la voie à nous qui a parlé à présent, grand créole français à la télévision. C'est qui fait effectivement que Nek Noué, Bébine Palé à la télévision. C'est qui fait effectivement qu'un homme à présent pays dragué en forme, disons en forme sur le plongo, disons en forme en créole. Qu'a dit avant c'était un gros, donc tout était en forme. On va voir un petit mot disant que pas plein moins. Il y a un point effectivement pour vous juger, c'est grâce à Ibo Simon tout ça. Ibo Simon aussi, ne faut pas oublier, a été le père de la télévision de proximité. C'est qui fait effectivement premier qui est entré en Ticaz, en Dino, en tout effectivement vieux quartier, puis il m'a dit qui j'en a, pas quoi faire, qui santé a, etc. Et bah mon courage, yo, mais ça a changé. Il vaut par exemple qu'un visionnaire, il a dit tout le monde, la Guadeloupe c'est 400 000 monde. Si nous voulons exister, il faut nous banquer en nous. Alors nous chaque effectivement qu'on mettait un franc, c'était un franc à l'époque. Quand on mettait un franc et à 400 000 mounes, ça fait 400 000 euros. On fait déjà à mon rien au banc. À présent, si on mettait un monde qui baille un franc ou un euro tous les jours, ça fait 300 euros. Ça fait 30 euros à la fin du mois. 30 euros multipliés par 400 000 Guadeloupéens, vous comme moi, ça fait un paquet milliard et nous pouvons penser des moments là, ça effectivement, donc nous sommes donc indépendants et des jeunes Guadeloupéens qui plaisent un pays ailleurs, effectivement, laisser grâce à eux aussi. Eh bien, bon, on ne pas suivi, mais en attendant, il dit avant tout le monde et encourage les Guadeloupéens à faire des missions. Problème à Guido, c'est vrai. Il est vrai au départ que les Guadeloupéens, à d'un seul coup, mettaient à la page, vivaient au même niveau qu'ils blancs, comme ils sont venus. Mais il n'y a pas de quatrième compte qui fait que nous avons une histoire en nous, et l'histoire en nous n'a pas commencé. L'histoire à la mode de votre abonné. Il a commencé à une période où Blanc déjà avancé, il a déjà vainqueur, il a déjà décidé effectivement qui nous dit qu'il était en bas et qui nous était en haut. Bon, il faut, le problème c'est qu'il a piqué nous, astiqué nous, comme on dit, qui oblige nous à venir à niveau à s'émerger tout de suite. Et c'est véritablement un problème à ça que nous ne comprenons pas entre nous. Je ne comprends pas qu'il y ait des cas de nous, mais c'est aussi qu'on dit qu'on a un son couillon pas à pas contre pour avancer ou pas pour s'en venir. Et ça, c'est une chose formidable. Donc, ça, en l'aider, c'est que pour nous, pour un moment, nous faisons un bilan, et peut-être effectivement, comme nous dit moins, ici, dans. Adam, hommage à ça, c'est fait bilan à ça, effectivement, il faut laisser à la bonne. Donc j'étais là où j'étais en disant, je suis pas loin, je suis là où belle, je suis pas très jeune, ils savent. Et après ça, on va pas vrai, en tout foyer, on va parler créole, mais en temps, moi. Pour qu'il parle français, ma maman, il dirait qu'on est en créole, mais on ne peut pas une fois répondre en créole, on ne peut pas faire ça. Parce que, oui, c'est insulté, il est parlé en créole. Aujourd'hui là, maman, il dit qu'on a parlé en créole, il dit qu'on a parlé en créole, l'école, en l'école, il n'a pas parlé en créole. Je l'ai créole qui sorti, pour mes envies. Alors, il est peut-être temps de garder Ibo pour véritablement ça, il porter à la Guadeloupe et pas garder
uniquement assis, bêtise qu'elle dit, parce que les beaux disent nos bêtises, mais elle dit surtout 90% de vérité, et ça nous retient. Allez, un pas chapeau, allez, quand même. Ok, merci à vous, merci beaucoup. Je pense que ça va être un chaud au cœur. Ouais. Si vous avez vu là cette vidéo, de toute façon, je vous aime beaucoup et je sais que c'est une histoire. Tu sais bien que je l'aime beaucoup, tout ça, ça très bien. En tout jour là, il est venu. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, merci à vous. C'est pas pour le problème, merci. Très bien, alors je vais vous laisser la parole pour que vous puissiez bien apprécier un mot. Igor Simon, bonjour. Et Monsieur Régal, bien bonjour. Si une des mots qu'on a entendu des autres, c'est invitation à ce que chaque monde qui l'a, vienne parler de Igbo et vienne dire ça et qu'a pensé et qui genre et ni en reconnaissance pour travailler là quand Igbo fait en Guadeloupe. En Guadeloupe, Igbo laissé un patrimoine considérable, le premier patrimoine qu'il a laissé, c'est à la palais bas de la présence de Rôle. Et que ce tout le temps qu'on est bon, on va appeler ça anormal. Qui blanc, qui nez, qui indien, tout à fait normal, effectivement, de la parole de Gaulle, avant une immigration à la télé, etc. La deuxième chose que je pourrais dire, c'est que, une fois, on a fait comme on l'a fait pendant 2 ou 3 jours, et on s'est oublié. Et pendant tout le trajet, tous les jours, il m'a fait, on parle avec l'argent. Il m'a fait beaucoup d'argent parce que les gens, ils disaient, tiens, on a maman mis, 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 etc. Lorsqu'il est arrivé à la fin du parcours, il avait pris 6 000 poches. Il avait redistribué ce que je lui avais donné. Il était redistribué, ça nous était pas le chemin. Il ne voulait pas gérer l'argent, alors je partais l'argent qui avait là à nous de t'aimer parce qu'il n'y avait pas de plan chemin. Nous partions pour appeler ta pute, il descend plutôt à la grande rivière. Le prêt d'appétit, si elle prend, il voulait trouver environ 300 euros qu'elle nous baille et les mêmes niveaux de la dépôt dans la vie à distribuer à la petite communauté en Chine. Ensuite, Igor, c'est le premier, qui s'ouvre, qui s'ouvre pas, peu importe où nous l'avons fait. Moi, c'est le premier journaliste européen, parce que c'est le premier journaliste qui était avec au micro en caméra, qui peut être numéro 2, donc qui peut être atteint cette qualité, qui peut être en train de passer dans le délire de Dieu. Moi, il y a tel confrère, moi, il y a tel jour, moi, il y a tel effectivement, etc. Et tu m'en as, et bien, tel. Igor, c'est le premier qui a été une nouvelle en nous. Pour faire nous savoir que nous pouvons exister, pour faire nous savoir que nous vivons toujours, pour faire nous savoir effectivement que nous sommes nous et que nous sommes nous, même si nous sommes nous. Il faut, chaque année, je remonte en la vie. À présent, tout le monde effectivement a fait une petite radio, mais il ne faut pas ni filmer, ni prêtre. Il part dans cette personne. Un prochain prêtre avec un verre ou un verre blanche en même temps. Il part ni filmer, ni prêtre, ni dans la fin de temps. La parole est la personne. L'oreille est toujours un mauvais chinois dans la réalité du monde. Il faut qu'on reste dans la réalité. Nous sommes vraiment respectés, respectés d'ignorants. Mettons le but, très clairement, l'homme qui nous détaille, il ne peut pas rester comme ça, il ne peut pas rester comme ça. On ne peut pas rester en Guadeloupe, etc. Donc, il faut qu'on encourage tout le monde qui a été joué au chinois, il ne peut pas être dans la vie. Alors, bien entendu, il faut que mon problème, c'est que tu voyages au monde. Et parce que tu voyages, il était vrai dans tous les pays, nous avons été unis. Et il était vrai que je voulais payer la même route que c'est maintenant ça et au même moment. Alors ça n'a pas été possible parce que le soir, c'est vraiment un tapis. Un tapis qui n'a pas gagné l'école, en tout cas passé effectivement en l'air, 10 minutes, 8 ans, 4 ans, de notre petit planche en bois comme ça, et niveau oui, ça n'a pas été arrivé à un seul coup. Je vous ai dit effectivement, c'est un bâtiment de côté, c'est un bâtiment de côté, mais c'est un bâtiment de ce bâtiment-là qui est le plus haut et qui est arrivé à l'arrière. Donc on voulait que, aujourd'hui là, nous sommes que, au fait, dit que madame, dit madame, par contre c'est tout, on peut dire que ça, on peut dire que faire la tour, on peut dire que ça pour chez Robert. Tu ne peux pas dire ça, comme on a dit, il y a l'impression que dit au mot travail, il a dit qu'il faut avoir une proche. Il faut faire disparaître les mots plus proches dans le langage de l'Europe. Avant, le cas de Dieu qui est un médecin, un avocat qui avait une mère en Guadeloupe, qui avait des mots français. Donc c'est un mot un mot.
mais nous n'avons pas parlé forcément bien français, mais nous sommes capables de tous mauvais mots, je vous dis mon mal, dit le papa, nous sommes très bien, c'est le père de papa et après la papa. Mais il y a des gens qui sont proches. Après ça, nous avons vu la radio télévision, nous avons vu la papa, la maman, et tout le monde a vu ça, nous avons vu pas mal parce que nous savons qu'à côté de nous, c'est ça que l'ami a dit. Et ça, comment on est venu pour ma jeunesse, c'est patrimoine de ces moments-là. Et il faut que tu En tout cas, vraiment, les attaquants de l'Université d'Assas, pour hommage à eux. Merci beaucoup, monsieur Ferdinand Montoli, de nous aider à venir monsieur Edouard Simon, à travers son message, donc des meilleurs faits pour vous présenter votre gouvernement. Comptons-nous à l'Éthiopie, peut-être qu'on l'oublie pas ses enfants, mais il était un meilleur pays à faire dessus tout. Et il était venu à l'enfer, et surtout, il était venu à l'enfer, il est venu responsable. Voilà. Mais à l'époque, nous avons l'autre qui va tenir l'exil à ça et qui part au point. Et à l'époque, ici donc, à présent, le Cameroun, ça a été dit à l'époque là, il y a à 20 là, puisque tout ça est dit, nous avons la présent. Tout ça est dit, vous pouvez réaliser. Mais en vrai, qu'on coupe un peu par amour, pas oublier qu'au début de la conversation là, pendant les autres, vite dit au butin qu'elles auraient dit qu'ils des ponts. Et pas derrière, effectivement, on peut continuer du tout, ça s'en plaît, mais en public, on a dit hommage à elle. Si on avait fait un petit mot, dit bon, pour que ça me dise, donc, Rochat, nous invitez à nous dire un petit mot pour nous dire hommage. Voilà. Alors, donc, je demande à toute la Guadeloupe d'honorer tous ceux qui font des choses pour le pays, de suivre tous ceux qui ont de bonnes idées. Parce que Yvon Simon a fait pas mal de bonnes choses. Quand j'ai vu qu'il est arrivé tout auprès pour être maire de Pointe-à-Pitre, je supportais, je disais, s'il pouvait être maire, ce serait bien. Parce qu'il avait beaucoup d'idées, il avait de bonnes choses dans la tête. Vous voyez, le Sénégal, qui est pas loin de nous, honore Yvon Simon. Et c'est un patrimoine inoubliable. Nous avons des gens comme ça en Guadeloupe qui œuvrent. Il faut les aimer, il faut les supporter. Nous n'avons pas tous les mêmes caractères, mais il faut. Yvon Simon, c'est la personne qui disait son forme Moïse, il n'avait pas peur de parler. Et je suis aussi un peu comme lui, hein. Je n'ai pas peur de parler, je n'ai pas peur de dire ce que je pense. Hein. Je suis très gentil, hein. Mais n'allez pas me chercher. Tout ce que je pourrais dire, mes chers compatriotes guadeloupéens, aimez-vous les uns les autres, aimez les gens, quelle que soit la nation de la personne. Nous sommes tous des gens venant de l'Afrique, quel que soit blanc, carreau, chinois, on est tous des déportés sous la terre. On doit s'aimer. Et Yvon Simon nous a fait comprendre pendant des années, nous tous, même vous qui êtes là, il faut nous porter mon aide. Nous devons sauver l'île. Il a sa richesse. Nous avons de l'argent en Guadeloupe. On dit qu'il n'y a pas d'argent. On dit qu'il n'y a rien. Mais il y a des choses sur cette île. Faites-le tout. Faites-le tout sur l'île. Regardez autour de vous. Regardez dans la forêt. Regardez dans le ciel. Vous verrez la richesse. Et Yvon Simon, longtemps qu'il a parlé, portez mon aide pour ce pays-là. Il est passionné à nous. Parce qu'elle a su découvrir les merveilles de l'île. Alors ce que je peux vous dire, aimons-nous, ne pas aimer nous assez, ni nous cacher l'autre. Amitié, dis vérité. Mais disons pour vos mots qui ont payé là, qui a géré pays là pour dire ça j'en avoue. Et ça j'en vais faire. Mais c'était ça qui était dit nous, Yvon Simon. Il est bien. Le gars m'a dit, si vous touchez à un brin de cheveux de Toribio, je sais que vous lui faites des méchancetés. Et regardez, nous sommes en 2022. Il essaie de remonter. C'est quelqu'un de très intelligent. Nous avons des gens comme ça en Guadeloupe. Nous avons nos jeunes. Nous avons... Ne laissez pas tout le monde mourir. Ne laissez
fais là. Regardez. Pourquoi vous pensez que tout le monde vient sur l'île? C'est parce que l'île est notre maman. La Guadeloupe, c'est notre mère. N'attendez pas que les choses se détruisent. Allons travailler pour l'île. Allons mettre des lucettes dans un. Essayez de vous unir pour que l'île puisse enfin monter. Et je remercie Monsieur Hugo Simon. J'ai transmis le message de Monsieur Joseph pour lui dire que malheureusement, Monsieur Joseph est parti. Mais le monsieur l'aimait beaucoup. Et c'est un monsieur qui venait souvent en Guadeloupe. Dès le mois de décembre, arrivé, il était en Guadeloupe. Je vous remercie. J'espère que je peux être au bar. Donc ne vient pas de vous restaurer. Vous avez commandé le
Ensuite, en 2019 toujours, j'ai été en Guyane. On m'a sollicité pour pouvoir chanter sur la fête de Cayenne. Voilà. Et lors de la fête de la musique, ben, j'ai interprété mes morceaux également grâce à monsieur Olivier Servat. Eh bien bravo, on peut l'applaudir. Ce sont des jeunes qui osent justement. Et je crois que ça va que tu as été jusqu'en Pologne représenter la Guadeloupe. C'est ça, j'ai gagné à l'élection de Mister Monde en Pologne, donc Mister Millennium Monde, voilà, pouvoir représenter notre jeunesse guadeloupéenne. Voilà, alors juste un petit mot pour que tu puisses nous dire qu'est-ce que t'a apporté cette expérience. Ben, ça m'a ouvert énormément de portes et puis ça m'a permis de rencontrer du monde et surtout de représenter notre île à l'Hexagone, voilà, et à l'international surtout. On peut l'applaudir s'il vous plaît. Oui. Bah alors on te laisse le micro. See you.
chapitre des bras en moins. Thank you.
Je suis
Vodoum. Et qu'ils vont faire l'objet de le monde. Donc, on va croire que si tout le monde qui va faire vite par vous, qui est là, la Guadeloupe est vite. Oui ou non? Oui. Donc, voilà. Ça, quand ils disent, c'est tout est fait. En comptant, vous voyez. Et t'as une belle surprise, bye. En parlant de plus. Et tout le monde qui est là, quand on va faire cette présentation. Alors, ma basse. Vous qui t'avez avec vous aussi, comment vous dites? Bon, ça va faire un moment qu'il y a un bon ego, puisque c'est plus peu autant à la TV. Hein. Donc j'étais, en fait, pour les gens qui ne me connaissent pas, j'étais le dernier caméraman du groupe. On a essayé de relancer, puis Hugo a pris son pied quand même avec nous sur la fin. Ensuite, je suis parti en Angleterre et puis. On a perdu de vue Ibo et puis je me suis dit non, il faut que je vienne voir Ibo. Et franchement, aujourd'hui, ça m'a fait plaisir de le voir. C'est quelqu'un qui est. Il est humble. Les gens qui ne le connaissent pas, qui le voient à la télé, se disent ah, il parle, il est machin, mais c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Là, qui est toujours changé, même là, en pâté ni linge. Ibo, t'es acheté en chimiste, ben, moi aussi, en tout. Là, je me dis, hey, t'es acheté en chimiste, ben, moi. Donc, moi, c'est quelqu'un qui a un très grand cœur et puis il a énormément de connaissances. Il fait partie des légendes de la Guadeloupe et je vous demande de lui donner un très grand applaudissement, un très très grand applaudissement. Eh bien, nous faisons plus bien. Mais avec un soir applaudi, vous plus fort. Parce que vous avez la pression, vous avez l'émotion, vous avez la sensation, vous avez la transmission. Oui, bon. Merci en plus.
merci en pile chez Kavos pour vibration là au sentiment nous là. Ça a fait un plaisir. Alors par contre, là, nous n'avons surprise par Ibo également. Et elle est aussi figurante dans divers films. Elle s'appelle Tilichi. Elle a exactement, elle est à l'heure de ses 30 ans. Et elle a voulu rendre un hommage à Ibo Simon. Et pour cela, moi je vais vous demander s'il vous plaît. Ça qui a passé là-là, ça qui fait ça vibrer parce que moi, en plaie, on passe à plusieurs ans, mais moi, on peut même commencer à présenter parce qu'elle m'a donné beaucoup d'émotions. Vous avez compris, j'ai commencé à plaire. C'est une fille qui a énormément de cœur et en fait, elle est chanteuse. Parce que je sais qu'elle aussi, elle a énormément d'émotions. Bonjour tout le monde et merci d'être venu aujourd'hui pour cette jolie soirée de naissance. Aujourd'hui, je ne vais pas chanter, je vais faire une poésie. Ça s'appelle... Ça s'appelle Ibo Simon. Ibo, Ibo Simon, qui est ce petit homme qui a pris le cœur de la Guadeloupe et d'ailleurs, qui a même attiré l'attention des jeunes, qui a partagé sa sagesse que le monde n'était pas prêt de recevoir autant de vérité. Car oui, effectivement, c'est un homme vrai. Son cœur parle de l'amour véritable et dans son esprit réside l'espoir pour l'humanité. Qui est ce petit homme? Ce petit homme qui mesure 1m52. Ibo. Ibo Simon. Un homme juste. Injustice. Il est un peu timide de nature, mais il observe la vie avec beaucoup de sincérité. Ibo Simon a toujours été une personne qui voit les choses différemment. Certains l'ont compris, et pour d'autres, peut-être que la vérité était trop vraie pour eux. Mais dans ses paroles, il est toujours resté lui. Qui est ce petit homme? Ce petit homme, je le connais. Il m'a fait tellement rire. Ah oui, il s'est fait des blagues aussi. Ibo Simon, c'est un homme qui a beaucoup d'humeur. Mais plus que ça, il aime voir les gens heureux, les voir rigoler ensemble. Il a souhaité montrer qu'il était possible de vivre ensemble dans l'amour et le respect des autres. Quelles que soient nos différences culturelles, notre pays d'origine ou bien la couleur de la peau. En fait, c'est toujours son rêve. Et moi, je rêve qu'un jour, son rêve soit réalisé. Quel rêve! Qui est cette fantôme qui s'appelle Ibo Simon? Toujours des bons conseils à donner à ceux qui veulent l'entendre. Toujours prêt à donner un coup de main à ceux qui en ont besoin. Rien n'est trop pour Ibo Simon. Et il fait tout avec grand cœur. Il n'a jamais eu d'enfant, mais il a aimé les autres comme les siens. J'ai beaucoup de respect pour Ibo Simon. Non seulement j'apprécie son art, mais je suis reconnaissante d'avoir rencontré une telle étoile. Une grande personne avec une grande carrière. Ibo Simon. Merci beaucoup.
J'espère que vous avez une grande sensibilité. Elle connaissait bien Ivo Simon. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, passe par Ivo Simon, allez la voir encore. Il entend très très bien, vous comprenez quand même qu'on ne veut pas trop le fatiguer, mais en tout cas il a l'esprit à événement. Alors donc nous allons continuer, alors après nous allons, j'ai ma collègue qui va prendre le relais pour vous faire découvrir la famille d'Ivo Simon. Alors avant tout, nous allons donc accueillir un artiste, donc Roddy Douglas, qui va nous proposer, donc qui veut à sa manière bien sûr faire un hommage à Ivo Simon à travers son inspiration musicale, c'est le hip et le soul et le sol, la soul, c'est ça. Voilà, donc je vous demande d'accueillir avec moi Roddy Douglas. Bonjour tout le monde. Alors déjà c'est un honneur pour moi d'être là. Je pense que Ivo c'est plus qu'une figure. Et ça va rester une figure parce que je pense qu'il a marqué une génération avant moi. Et pourtant je suis là pour pouvoir faire mon hommage à ma manière. Merci. Alors, je sais que de loin, j'ai ressenti le feu dans lequel Ivo passait souvent. Si c'est possible d'avoir un peu plus de son, s'il te plaît. Cette chanson s'appelle Diffé. Yeah. Interdiffé. En vrai, on est différent. Là où ça, c'est interdiffé. En vrai, on est différent. Interdiffé. En vrai, on est différent. Là où ça, c'est interdiffé. On est restant sur un différent. Sur le cost, tu peux la perdre ton âme. Un petit copilé grand, quand t'es sur le gramme. J'ai vu des drôles de dames condamnées, des amis d'amis. Sniffé la cam, comme on souffle ta canne. Et quand les gens se moquent, des jouets des gens. Je rêve de ce monde et leur racontant des légendes. Lesquelles j'ai goûté à la peine et la âme écrit les thèmes. J'avoue au fond qu'on aime faire tourner son système. C'est pas si pour dire que de faire. Souvent quand c'est ta tête dans l'arène, je te critique avec scène. Je n'ai pas de grand frère, suis-je mon propre exemple. Souvent pour exister, on devient trop excentrique. Je suis censé danser, passer tout. En vrai, on dit que. Et on s'entient différent. Ou qu'on s'entient différent. Interdit. Tu es en guerre ton talent. Choisis le bon des talents. Que la vitesse de mon talent machine. Je vais étalonner tout ce qui compte pour moi. Un jour je vis mon âme. Au fond du coup je refais ma vie. Chercher le mille avant de viser. Et la île. Après la vie. Avant d'y vivre. I wanna live. I never give. J'ai mis ma voix dans le ghost style drama. T'as laissé ta place pour mon place. La technique.